Yo les gars, huitième jeu Epic Games gratuit qui vient de sortir, c'est Inside. C'est une sorte de 2D, 3D. En fait, c'est de la 3D, mais ça se joue un peu comme la 2D, un peu à l'horizontale. On ne sait pas trop ce qui se passe. Moi-même, je ne connais pas trop l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que on va jouer un enfant. Et l'enfant, il va arriver. Donc ça, il est là, regardez. Ça, c'est le petit garçon. Et là, je le contrôle. Alors là, je joue à la manette. Alors là, on peut sauter. Donc pour l'instant, pas de problème. C'est très fluide. Bon graphisme. Aucun souci les gars, c'est un jeu, il n'est pas très gourmand, donc je vous invite vite à aller le prendre. Franchement, il a l'air génial. Alors la première énigme. Enfin, énigme entre guillemets. Non, mais c'est même pas une énigme, il fallait juste avancer. D'accord. Donc là, vous voyez, regardez, là, il faut se cacher. Là, il faut se cacher, parce qu'il y a des sortes de membres du gouvernement, là. Il faut pas se faire repérer. Donc je pense qu'au fil de l'aventure, on va découvrir ce qui se passe vraiment. Alors là, il y a deux gars, faut pas faire de bruit. Ils ont des masques blancs. Alors attendez, je vais aller à la lumière pour voir qu'est-ce qui se passe. Salut. Non. What? Ah, il est en train de me tuer. Bon, alors là, il cherche. Il a entendu du bruit, mais ok. Alors là, je peux passer. Normalement, je peux passer. C'est bon, on peut passer. Alors là, je sais pas du tout ce que je fais là. Je sais pas du tout ce que je fais là. Alors là, si je me rappelle bien... Ouais, ben là, il va falloir tirer ou pousser le frigo. Alors... Ah, ok. Donc là, on peut tirer... Aïe, 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 aïe. Ah non. J'ai peur qu'il me tombe dessus. Donc là, ok. On a poussé le frigo, on peut monter. Et là, on est là. D'accord. Donc là-bas, il y a des chiens. On m'a pas vu. C'est bon. Donc il a fallu retourner un petit peu en arrière là pour récupérer la planche et on va la placer. Ce qui va nous permettre de monter et de continuer l'aventure. Et là il y a des gens qui cherchent. Alors est-ce qu'ils me cherchent? On ne sait pas en fait. Hein. Là il va me voir. Là il m'a vu. Là il m'a vu. Ah il m'a vu, il y a le chien qui me course. Il y a un chien qui me course les gars. Attention. Vas-y, comment on fait? Saute. Oh, et lui, il a pas suivi, il a eu peur, hein. Bon, en tout cas, il faut rester discret. Ça, c'est la clé de la réussite, la discrétion. Parce qu'on a vu que tout le monde veut nous tuer. Nous, l'objectif, c'est pas de mourir. Ah, là, ils m'ont vu, je crois, non? Non, il m'a pas vu. Oh, il faut que je me cache. Faut que je me cache là, 100%. Ok, ça, c'est bon, ça. Ils m'ont pas vu, les gars. Alors là, il y a une voiture. Apparemment, elle n'a pas l'air de vouloir bouger. Donc, je vais être obligé de passer devant. Mais on va passer en courant, hein, de toute façon. Attends, voilà, c'est là pour courir. Et là, il y a un gars qui me course. Attends, je tombe à l'eau. Oh non, le gars, il me noie. Mais lui, les doigts dans les yeux. Bon, attends, là, il m'a vu. Ok, alors là, je repars. Là, il faut pas que je trébuche. C'est lui, salut, trébuche. Et là, je saute. Ok. Lui, il a pas trébuché non plus. C'est pas grave, on court. Encore. What? Il tire sur des enfants comme ça, les gars. À votre avis, vaut mieux croiser un pédophile? Ou alors un... On va pas dire ça. On va pas dire ça sur YouTube. Attends, là, on saute, ok. Donc là, il faut rester là. Sinon, je me fais tuer. Mais le mec, il me suit encore. Ouais, le mec, il me suit encore. Là, il va tirer. Non, il va pas tirer. On trace. Et là, on saute. Comme Rambo. Non, il n'y a pas d'eau. Aïe. Ah, il m'a touché. Non, il m'a pas touché. Mais je crois que c'était des flèches. Ah, je me fais courser par des chiens. Je crois que c'était des flèches paralysantes parce que... Je crois que c'était parce qu'il y avait une flèche. Oh, que c'est le calme. Que c'est beau, le calme. Dans l'eau. C'est le calme après la tempête, celui-là. Je me suis noyé. Mais non. Alors attends, là je suis où là? Je suis loin là? Non, là voilà. Là ils m'ont emmené juste après, comme si j'avais réussi à monter à la surface. Là il y a une sacrée lampe torche braquée sur moi. Donc là 100%, voilà, je me fais tirer dessus. Ah regardez, ils m'ont tiré une flèche. Ah, c'est des flèches paralysantes. Mais bon, tout à l'heure il y avait un mec qui avait un vrai flingue tout à l'heure aussi. Hein. Alors attends, là on va aller sous l'eau. Il n'y a aucune jauge, hein. Il n'y a pas de jauge de vie, il n'y a pas de jauge d'air, il n'y a rien du tout. On va
va remonter là. Voilà, parce qu'il n'y a pas la lampe, c'est bon. Il ne nous a pas vu. Donc là, je pense qu'on va les éviter parce qu'ils pensent que je suis de l'autre côté. Là, ils pensent pas que je suis passé. Donc à mon avis, ça va peut-être ralentir les recherches et on va pouvoir avoir l'horizon libre. Et c'est parti. Donc là, il y a des cochons qui sont morts. Hier aussi, il y avait des cochons. Non, c'était avant-hier. Hier, avant-hier, on jouait à métro, il y avait des cochons morts. Et bien ici, rebelote. Et nous arrivons dans un champ de maïs. Donc là, pour jouer à cache-cache, c'est formidable. Donc moi, je continue ma course. Et là, je suis dans des fermes, apparemment. Il y a des fermes, oui. Il y a des cochons. Il y a du maïs. Il y a des poussins. Ah, et là, il y a beaucoup de cadavres de cochons. Et les poussins ont survécu. Ah, oula, ah, j'ai sauté comme ça pour le fun et je me suis accroché à une corde. Formidable. Alors là, on va monter là. Et là, il y a un levier, les fameux leviers des jeux de dés. Donc, qui va activer quelque chose. Hop, et on tire. Alors là, je l'ai enclenché, mais je pense qu'il n'y a pas de courant. Je pense que ça s'active par là. Ah, ok, il faut mettre des coups, d'accord. C'est comme une tronçonneuse. Allez, let's go. Démarre, démarre. Et c'est parti, on va vite activer le levier. Hop, ça fonctionne. Je ne sais pas. Ah d'accord, c'est une machine qui sert à... Ah, il faut laisser le temps de chauffer. Et c'est parti. Merde. Hop, mais dès que je relâche, il s'arrête. D'accord, donc est-ce qu'il y a quelque chose là? Ici, une planche de bois. D'accord, donc là, on va pouvoir sortir... Ça va rien changer. Ah, alol, alol, il va falloir faire aspirer tous les poussins. Il va falloir aspirer tous les poussins, what the fuck. Alors venez là. Les pauvres. La grande question, c'est est-ce que 20 poussins... Alors attendez, let's go. Aspiration de poussins. Non, ça marche pas. Ils sont trop loin. Ils m'aiment bien en plus. Ça fait peine, hein. Dommage quoi, il va falloir les tuer. Donc venez. Voilà. Là, on les fait marcher dans l'eau, ça va les ralentir, vous allez voir. Hein. C'est une technique de fermier. Donc là, je les fais marcher dans l'eau. Je retourne vite fait là-bas. Et vite. Hop, j'active. Les poussins se font aspirer. Et. Oh, ah, mais ils sont pas morts en fait. Ils m'ont fait tomber. Ah, mais ils m'ont aidé en fait. Ah, génial les gars, vous êtes des pros. En fait, ils m'ont donné un ballot de foin. Il y en a un qui a dû prendre... Il doit avoir au moins une côte cassée quand même. Et ils m'ont fait passer parce qu'ils sont gentils, les petits poussins. Et nous arrivons sur les barrières qui délimitent les sorties de la ferme. Alors, je pense qu'il faut passer en bas, non? C'est pas par en bas? Ah, tu peux escalader, bravo. Ça, c'est un gamin. Ça, c'est un gamin comme on aime voir. Et encore des cadavres. Encore des cadavres de porcs. Avec des vers... Des vers bizarres dans des endroits bizarres. Ok. Donc, à mon avis, il y a une contamination. Hein, parce qu'il y en a un qui a un ver qui sort de l'oreille et l'autre qui sort de son anus. Il s'est réveillé! What? C'est vrai que ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Hop, j'esquive. Ça, c'est magnifique, les gars. Ah, il faut lui faire casser ça. Ouais, les gars, je suis trop fort. Donc là, il va falloir l'éviter encore un peu. Non, à mon avis, il faut pas monter, il faut voir plus loin. C'est autre chose. Ah, il s'est cassé. Il s'est fait mal à la tête. LOL. Attendez, j'ai sorti un truc chelou, là. Qu'est-ce qui... Ah, mais ça y est, il est devenu calme. Ah, en fait, ok, d'accord, c'est des parasites. En fait, c'est des parasites qui rentrent dans le corps. Qui sont en train de transformer les gens, je crois que c'est ça. Regardez derrière, je crois que c'est les fermiers, ils ont l'air très chelous. Ah, ok. Et en fait, ces parasites, ils permettent de contrôler les individus. D'accord, on est dans le turfu. Eux, ils font quoi? Eux, c'est moi qui les contrôle, en fait, les mecs de derrière. Donc là... Ah, merde. Alors, attends. Là, je reprends le contrôle. Là, je contrôle les gars de derrière. Ok, j'ai essayé de bouger un truc, mais ça marchait pas. Est-ce que on peut soulever cette grille? Ah, il faut que les autres rejoignent aussi, d'accord. Donc, là, je contrôle 4 personnes.
On va essayer, là, on va bouger ce truc-là. Ah, et ça va nous faire passer quelque part. Ça, si on tire, ça donne quoi? Si on tire, ça casse. Ça casse et ça nous libère le passage. Nickel. Donc, let's go. Donc, on a compris. Hein. Vers de terre. Contrôle de l'esprit. Vaut mieux éviter de se prendre un verre dans un orifice. En particulier, certains orifices très douloureux. Certaines muqueuses douloureuses. Ah, regardez, il y a des gens qui font la queue. C'est des gens qui sont parasités. Donc, nous, on veut éviter de parasiter. Voilà. Donc, ils sont tous en noir. Moi, je suis en rouge. Je suis la seule personne qui n'est pas formatée. Ok, donc là, on arrive devant le coffre. Il faut raccrocher une planche. Le problème, c'est que si la planche casse, je pars avec. Donc, il faut pousser, forcément, parce qu'on ne peut pas tirer. Et là, là, faut partir. Faut partir. Oh là là, l'enfant. Démembré, le pauvre. Là, je pousse. Je pousse, je repars. Et de justesse, j'ai réussi à ne pas mourir. Ah, le coffre a fait un trou. Donc là, je suis toujours sur les toits. Il y a la queue énorme en bas. Donc pour aller recevoir un parasite. Tout le monde veut son parasite. Non, à mon avis, ils ont tous déjà le parasite, là. Là, ils sont tous chelous. Ils obéissent tous à je sais pas quoi. Ça doit être une onde sonore. Ou alors la reine des parasites. Vous savez, la reine des parasites. Elle contrôle toutes les personnes parasitées. Et nous, on est à côté, on casse des bois. Pour pouvoir accéder à une salle, encore des chutes. Avec des pentes à 20 degrés incroyables. Alors attendez, là, alors là, il y a un escalier. Là, il y a un escalier. Donc, c'est une échelle. On ne peut pas sauter en face parce que c'est trop loin. Mais est-ce qu'on peut bouger l'échelle? Donc, l'échelle, on peut la prendre. On peut la pencher. Donc, c'est formidable. Un interrupteur, les fameux interrupteurs des jeux à énigmes. Il est là, hop. Ouf. Ah ouais, il m'a envoyé un truc là, il m'a... C'est un taser du futur. Super taser. Donc qu'est-ce qui... Je pense qu'il faut pas allumer le courant du coup. Voilà. Il faut passer sans allumer le courant. J'ai vu le levier, je me suis jeté dessus comme un fou. Et là, ah, il y a des gens qui sont morts là. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a des gens qui viennent de subir le sort que j'ai subi dans ma vie précédente. Il a une force ce petit, mais c'est incroyable. Il est incroyable. Ah, mais là, il faut le courant, parce que sans courant, on va jamais passer. Donc, au moins, on a ouvert. Ce qui veut dire, c'est qu'on va pouvoir passer plus facilement, sans devoir s'arrêter pour ouvrir. Et je pense que c'était le but. Donc, il y a la lampe. On va passer entre les lampes, voilà. Un classique dans les jeux vidéo, dans les jeux d'infiltration. Un grand classique. Voilà. Donc là, si ça n'aurait pas été ouvert, là, je serais en train d'ouvrir et je serais mort. Par contre, là, on s'échappe facilement, les gars. Facilement, facilement. On est trop pessimiste. Il faut être un peu plus optimiste. Ouh là là. Mais voilà. Là, c'était une raison d'être optimiste. Ouais, il est fort, le gamin. Regardez, il a gardé la même attitude que les messieurs. Et là, quand même, il se doute de quelque chose, les robots. Hein. Ah, il faut sauter. Oh, il va falloir sauter, lol. Non. Oui, c'est bon. Je me suis trompé de bouton. En fait, il faut sauter pour voir si le parasite il est bien accroché, vous voyez, à la prostate. Hop là. Ma prostate est formidable. Vous voyez là, le monsieur avec le cahier, là. Il note. Prostate impeccable. Oh, oh non, j'avais passé la ligne, merde. Gauche, droite. Nickel. Hop là. On joue le parfait zombie. Gauche, droite. Donc là, comme c'est un jeu en 2D. À l'horizontale... Quoi? Ah non, non. En fait, ils ont un doute. Ils ont un doute. Non. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête! What? Il attrape à la gorge et tout. Ok, donc là, on repasse. Mais pourquoi il y a la lumière? Ah d'accord, je crois que c'est mort. En fait, il faut courir. Je crois que c'est la mort. Waouh! Le chien m'a détecté. En fait, le chien, il a vu que j'avais pas de parasites. C'est un chien entraîné à détecter des parasites. Il arrive, bordel. Vite, 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 vite. Et là, je suis mort. Et là, je suis mort. Mais là, le chien, c'est qu'il va trop vite. Donc là, je peux pas. Donc si je fais ça. Ah oui, j'ai compris. Tu te fais venir là. Hop, et là, tu pars. Ok. Total brain.
Total Brain. Total Brain, les gars. Et là, on va pousser le chariot tranquillement pour arriver sur le toit voisin. Vous avez vu le jeu, je vais pas tout vous spoil. Vous savez à quoi vous attendre, c'est un très bon jeu. Franchement, prenez-le, c'est une tuerie. Il est bien. C'est pas qu'il a l'air bien, c'est qu'il est bien. Le kiff total, il est gratuit jusqu'à demain 17h. Let's go. Et merci les gars, hasta la vista.